amis téléspectateurs, bonjour à tous. Fangjo, où en es-tu après la pratique des cours précédents? Je dois encore pratiquer. Bien, nous allons donc réviser le contenu des anciennes leçons. D'abord, nous révisons les mouvements de la première partie de la forme. Regardons une fois. Assez difficile. Faites attention aux points importants à respecter quand vous pratiquez. Quels sont les points importants des mouvements difficiles de la première partie? Inverser le ciel et la terre. Lors du maniement du sabre, il faut alterner entre vitesse et lenteur, avoir un rythme clair, des mouvements souples et ronds, être coordonné. Le vent balaye les fleurs de prunier, la taille doit emmener le sabre, le mouvement doit être continu. Lors de dégager les herbes pour chercher le serpent, les mouvements du corps et du sabre doivent être coordonnés. Le pas vers l'avant et la rotation de la taille se font en même temps. La position unipodale doit être stable. Les deux mains doivent s'ouvrir simultanément. Maintenant, pratiquons les mouvements de la première partie afin d'approfondir notre compréhension. Mouvement d'ouverture. Inversez le ciel et la terre. Détendez bien les bras lors des relevés de sabre. Les trois coups de sabre. Avec nous l'enchaînement de ces mouvements. Première partie. Le dragon remue la queue.
vent balaie les fleurs de prunier. Les mouvements doivent être bien coordonnés. Écartez les nuages pour voir le soleil. Répétons ensemble de manière enchaînée. Faites attention à la continuité et la coordination des mouvements. Et nous continuons la révision. Poussez le navire dans le sens du courant. Dégagez les airs pour chercher le serpent. Le tigre noir parcourt la montagne 1. Répétons ensemble de manière enchaînée. Observez bien les mouvements. Les fleurs cachées sous les feuilles 1. Le roc déploie ses ailes. Le tigre fougueux s'abat sur sa proie. Refaisons ces mouvements de manière enchaînée. Observez bien ces mouvements. Ensuite, nous allons réviser les mouvements de la deuxième partie de la forme, mais regardons d'abord. Quels sont les points importants des mouvements difficiles de la deuxième partie ? Fleurs cachées sous les feuilles 2. Lors du mouvement, le revers du sabre doit coller le dos. Le dragon jaune remue l'eau. Le mouvement de cercle de sabre avec le poignet doit être lié, rond et souple. La position unipodale doit être stable. Bravez le vent et coupez les herbes. Le pas croisé et le balayage de sabre doivent être coordonnés. Le maniement du sabre doit rester souple et la force doit atteindre la lame du sabre. Le dragon d'or enroule la colonne. Lorsque l'on enroule le sabre autour du corps, on le colle contre le dos. Les mouvements de rotation, l'enroulement et le pas croisé se font ensemble de manière coordonnée et liée. Se retourner pour pourfendre. Les nuages blancs couvrent le sommet. Le tigre noir parcourt la montagne 2.
Le mouvement doit être coordonné avec le saut. Les fleurs cachées sous les feuilles d'eau. Pratiquons ces mouvements de manière enchaînée. Refais ces mouvements afin de mieux saisir leurs points importants. Le dragon jaune remue l'eau. Le mouvement de cercle de sabre avec le poignet doit être bien arrondi. Le cheval sauvage franchit le ravin. Bravez le vent et coupez les herbes. Les yeux regardent en direction de la pointe. Répétons ces mouvements de manière enchaînée. Attention à la continuité et à la coordination des mouvements. Pour fendre les trois obstacles. Le dragon d'or enroule la colonne. Refaisons ces mouvements de manière enchaînée. Refais ces mouvements afin de mieux saisir les points importants. Enfin, répétons l'ensemble des mouvements enchaînés des deux premières parties. Téléspectateurs, la révision d'aujourd'hui est terminée. Fanjo, comment te sens-tu? Ça va beaucoup mieux. Très bien, on se retrouve à la prochaine séance. Au revoir. À partir de la prochaine séance, nous allons étudier les mouvements de la troisième et quatrième partie de la forme de sabre du Tai Chi. Continuez bien à nous suivre.